Une vingtaine de danseurs, b-boy et b-girl confondus, ont participé aux deux cours d'une heure et demie avec des grands noms de la breakdance, parfois venus de l'autre côté du globe. Rockstrite et Lilou, qui sont jurys de la compétition, leur ont fait des démonstrations avant de leur enseigner des techniques de champion. Ces ateliers ont permis à chacun d'apprendre de nouveaux mouvements et de gagner en détermination, qualité essentielle pour remporter une battle. Un bon b-boy, pour moi, c'est charisme avant tout, donc refléter ta personne quand tu danses. Et voilà, avoir un petit peu de tout, souplesse, patate, accro et beaucoup d'originalité. Bah, la compétition Red Bull BC One, c'est l'une des plus prestigieuses, surtout en 1 contre 1. Non, là, t'as fait combien de passages tout à l'heure? 2. Regarde ta position comme t'es maintenant. T'es mort. 2 passages. Ça va? Non, t'es mort? What's up, this is Rockstrite here. We are at the Toulouse Red Bull BC One Cypher going down tomorrow. Check out the battles. Peace. Yo! Allez! Qui des deux va rejoindre Doudou en finale? Les professionnels se sont affrontés le lendemain à la Halograin. La battle finale, qui a opposé les deux b-boys Doudou et Noé, a duré plus de 8 minutes. Les jurys ont désigné Noé gagnant de la compétition. Une victoire unanime qui lui permet de se qualifier pour le championnat national cet été à Paris. Il sera accompagné des 3 autres demi-finalistes. Allez, Bébé Noé pour la réponse. 3,